2 puissance 20. 1 kilo, on a 2 puissance 10. Ça tombe bien. Nzido. Mor 1 méga, on a 2 méga, on a 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 giga. 1 giga, c'est le 2 puissance 30. On va demander 1 giga, on a 2 giga. Donc, c'est genre une calculatrice manuelle. Est-ce que c'est bon les gens mis dans l'eau? J'ai 74. D'habitude, j'ai plus que 80. Ils essayent de rentrer, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je vais décomposer 200 mégas je vais nhellelha en des puissances de 2. Alors, la puissance de 2 la plus proche de 200 mégas, c'est 128. 128, ou je n'zid l'ha? N'zid l'ha 64. Je trouve, est-ce que l'hakt? Qui n'zid l'ha 64 mégas? Je n'hant ou l'lili? 128. Est-ce que je fais la calculatrice TAI? 128 plus 64. Alors, 128 plus 64. Tout l'lili 192. N'zid m'a l'hakt le 200. Ou je n'zid l'ha? N'zid l'ha 8. Je vais rajouter 8 mégas. Je fais qu'il n'zid l'ha 8 mégas. Je n'hant l'hakt le tout l'lili 200. OK? واش نروح واش ندير جو في الي ا سو تابلو سو تابلو كي لا جو في الي ا 128 ميجا 128 ميجا راهي هنا جو في ميتر ان 1 64 ميجا راهي هنا جو في ميتر ان 1 داكور نزيد 8 ميجا وراها راهي هنا هاي ديك 8 ميجا دونك فينالمون كاس كو جو في ايكريغ جو في ايكريغ كو 200 ميجا سون اون بينير سوني اوتر اي نبداو من لا دروات Et ça, c'est en binaire. On va l'écrire en hexa. En hexa, ça va nous faire 0. OK? Je vais écrire 0. Je vais mettre 0. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. D'accord? Donc, on dit 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Et avant le 5, 0, je vais avoir 1000. 1000, c'est le 8. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? 1000. On va dire 1100. 1100, c'est le 12. Le 12 qui est en hexadécimal, c'est A, B, C. C'est le C. D'accord? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que les gens ont pu rejoindre la réunion? Allez, s'il vous plaît, partagez, partagez. Je ne vais pas avancer. Donc, le 200 mégas, quand je l'écris en hexadécimal, c'est C, 8 et 5, 0. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, je reprends. Vous voyez, c'est comme genre une calculatrice manuelle. Manuelle. Elle va vous servir. C'est comme ça que vous allez faire. C'est comme ça que je travaille, moi. Alors, n'écrivez en binaire. Ou bien, je convertis en décimal. Mais au chenou, il faut décomposer votre nombre. Il faut le décomposer en des puissances de 2. La puissance la plus proche, ou bien, vous allez vous dire, vous allez vous dire, vous allez vous dire, vous allez vous Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, je vais dire que le 200 mégas, ce n'est autre que, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Je veux avoir des réponses, s'il vous plaît. C'est clair? J'ai pas compris. Nabil Fawzi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, pas forcément. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ces messages. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, pas forcément. Oui, bien sûr. Il faut toujours décomposer. Pouvez-vous réexpliquer, madame? On a eu un lien qui ne marche pas. OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On n'a pas beaucoup avancé, hein? On n'a pas beaucoup avancé. Alors, j'ai dit que on vous demande de déterminer les adresses à la RAM et à la RAM Waqila. Bon, on va commencer par la RAM. Une mémoire dans le bus d'adresse est de 28 bits. Je vous ai dit, une fois vous connaissez la taille du bus d'adresse, directement, vous allez dire que la capacité, c'est 2 puissance n octets. Je vous ai dit que la structure physique d'une mémoire, c'est en octets. Elle est structurée en octets. Ce qu'on appelle l'espace physique. Quel est un autre espace qu'on appelle l'espace logique? Avec l'espace logique, tout dépend des données de la taille de la donnée que vous allez utiliser. Hadi, monsieur Ayesh, il vous a donné un exercice en cours. On va dans le bofet Allah ou faire comme. D'accord? Laissez-moi finir ça. On va dans le bofet Allah. Donc, la règle, c'est, si j'ai n bits d'adresse, automatiquement, l'espace, ça va être 2 puissance n octets. Là, j'ai 28. Donc, j'ai mis 2 puissance 28
Octets. Alors, le 2 puissance 28, je l'ai décomposé en 2 puissance 20 et 2 puissance 8. 2 puissance 20, ça va me donner le méga, et 2 puissance 8, c'est 256. Donc, la capacité totale, c'est 256 mégaoctets. Hadi, la RAM, c'est 200 mégas. OK. La RAM, elle est de 200 mégas. Donc, la ROM, c'est la différence. 256 moins 200. Très bien. Donc, ça me fait 56 mégas. Ils nous ont dit dans l'énoncé que la RAM, elle occupe les adresses basses. C'est même 0, 0, 0, 0, 0. On va voir la dernière adresse de la RAM. Qui fait la dernière adresse de la RAM? Ça veut dire que tu vas parcourir la RAM début 0, 0, 0, 0, tu parcours les 200 mégas. Qu'est-ce que je fais? Je vais écrire les 200 mégas en binaire. Quand le comme aide la calculatrice manuelle. Aide la calculatrice manuelle, c'est très simple. Vous écrivez les puissances de 2, mais 2 puissance 0, c'est 2 puissance 31. Quel est le à 2 puissance 10, avec le 1 kilo. D'accord? Avec le 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Moi, 512, j'ai dit 1024. 1024, c'est 1 kilo. En bas de moi, 1 kilo, avec 2 kilos. 4, 8, 16, 32, kiff, kiff. À tête, le haq de 512 kilos. Moi, 512 kilos, j'ai 1024 kilos. Mais il y a 1 méga. De la même manière, tu as le giga. D'accord? Giga. Alors, le 200 mégas, je vous ai dit toujours, vous décomposez votre capacité en des puissances de 2. Donc, la puissance de 2 la plus proche de 200 mégas, c'est 128. باش نلحق 128 باش نلحق 200 لازم 128 نزيد لها 64 كي نزيد لها 64 تولي لي 192 نزيد لها 8 pour avoir les 200 alors كي نزيد لها 8 pour avoir les 200 ça va me donner donc ça va me donner j'écris ici le 128 ندير 1 في la position تاع 128 ميجا وراها elle est là وراها هاي ليك le 1 نزيد la position du 64 elle est là je mets un 1 et la position T à le 8, je mets un 1 ici. Dès que je vais combler, les vides, ça va être des zéros. Après, je vais lire en hexadécimal, ça va me donner, ça c'est en binaire, hein, ça va me donner 0, 0, 0, 0, 0, ça veut dire 5 zéros, Hamlik Naya. Le 1000, c'est 8. Au 1100, c'est le 12. Le 12 en hexa, c'est le C. Donc voilà, j'ai pu déterminer l'écriture binaire. Le 200 mégas. Donc, 200 mégas, ça va être C, 8 et 5, 0. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est clair? C'est clair? Ben, madame, je m'avance. Oui. Madame, donc l'adresse oui. De fin, c'est la capacité... L'adresse de fin, c'est la capacité... T'es la première adresse. Moins la première, moins 1 aussi. Voilà. Oui, moins 1, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que... Parce que le 0, c'est une adresse. Oui. Est-ce qu'on peut dire la capacité, c'est le nombre de lignes? Bien sûr, le nombre de lignes. Bien sûr, tu peux dire, c'est le nombre de lignes. Oui. Nombre de lignes fois octets. Oui. Nombre de lignes octets, bien sûr, c'est ça la capacité. Donc, l'adresse de fin qui va dire, normalement, la capacité... Hadi, ce que j'ai écrit, moins 1, ou alors le 1, c'est, si vous voulez, moins 0, moins 1. Le 0, c'est une adresse, donc ça n'influe pas sur la valeur, moins 1. Donc ça va me donner C, 7, F, 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 on exa. Donc la RAM, tibdam 0, 0, 0, 0, H, classe C, 7, F, 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 F. Est-ce que c'est clair? La RAM, m'nintibda la RAM. Hadi, le C, 7, F, 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 c'est la 1. Plus 1, tu peux dire le début de la RAM, pardon. Yéhé. Mour la RAM, juste plus 1, c'est de la RAM. C'est clair? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, répondez-moi. Si c'est clair, ben, je m'avance. Il faut que je finisse aujourd'hui la notion de... C'est clair? Alors, je vais voir un petit peu le chat. Non, j'ai compris. J'ai pas compris. Oui. C'est d'arriver, vous pouvez... Répéter, j'ai répété, je pense, j'ai répété. OK. Alors, donc l'adresse de la première adresse de la ROM, c'est C800000. C'est ça la première adresse. Aïe, nous allons c'est conti, mes gars. Nous allons aller le tableau, Tiana. Oui. Madame, Bsal, on a le bus d'adresse en bit. Pourquoi on a en octet? Il fait?
Le bus d'adresse en bits. كيفاش حتى رجعت لا كاباسيتي اون اوكتي؟ شوفه، انسى الموديول دارشي، انساه، واللي اسكو شاكلين ان اوكتي مادام نو. اسمح لي، شاكلين سي ان اوكتي بيان سور. وعلاش رجعت لي اوكتي؟ ما فهمتش فريمون، ما فهمتش لا كيسيون. وعلاش رجعت لك؟ شوف، عندك بيز دادغاس 28 بيت يا اخي. Quand tu as un bus d'adresse 28 bits, ça veut dire que tu vas avoir 2 puissance 28 lignes. Hagda. C'est ça normalement. Oui, madame. 2 puissance 28 lignes. Yachikotilkom. Physiquement, la mémoire, elle est structurée en octets. Quand on dit une ligne, ça veut dire un byte. Madame, ça a 16 bits de bus de données maintenant. هذه قلتها لكم لا ديرنيير فوا. هذيك في الموديول ستركتور ماشين كنا اون ترافاي افيك دي ميموار كي نيكزيستي با فيزيكمون ريالمون ان اكزيستي با. سي بور سا كنا نستعانيو بالبيز دو دوني. دركا لي ميموار اكتويل سون ستركتوري او نوكتي. لا ميموار دو 80-86 يخدم افيك اون ميموار كي ستركتوري اون كونفيغوراسيون فيزيك سي او نوكتي. شوف منا وجايه، منا وجاي كي يقول لك لو بيز دادغاس اللي سيغ بيتيت ان بيت، اعرف باللي ليسباس سي دو بيسونس ان اوكتي. اوكي، فهمت ولا ما فهمتش؟ وي مدام ميرسي. منا وجاي هكذا دو بيسونس ان سي تو فو لين، ولا لين سي ان اوكتي. اوكي تخي بيان. باردون مدام، ici il y a ton la capacité قولوا لنا حوسوا على البيس دادغاس اي جو في برك نكونفيرتير اون بي اون اوكتي وي pour avoir le bit sans qu'on ait le bus de données. كيفاش le bus de données شحال يكون apparemment donc il compte sur 8 bits toujours on prend il y a telle capacité pas. Oui il te donne la capacité et quoi encore. Et demander les bus. Malice, je suis patiente, on va faire l'exercice 7. Je vais lui faire des trucs comme ça. D'accord. Malice, je suis patiente. Et si j'arrive pas à répondre à ta question, à la fin de la séance, je te réponds. OK. On essaie d'avancer, avancer, peut-être qu'on va rencontrer ta question. OK. Alors, donc, le début de la ROM, c'est C8, vous êtes tous d'accord. C8 et 5-0. Parce que, Hedy, la dernière adresse, c'est à la RAM, c'est la Wahed. Tu veux la première adresse à la ROM. Ou bien, maintenant, l'adresse, je dois parcourir 56 mégas. Maintenant, la calculatrice et je vais écrire 56 mégas. OK? Je vais écrire 56 mégas. Je vous me dis 56 mégas. Donc, 56 est égal à quoi? Je vais la décomposer. 56, c'est normalement la puissance la qariba fiha il y a 32. Yaché, 32 mégas. OK? 32 mégas, je vais nous là, doka. 32 mégas, je vais là. Donc, quand nous là, quand nous là, 16. La puissance la plus proche. Mort 32, 16. Je vais nous 32 plus 16, je 32 plus 16, tu lili 48. Vous êtes d'accord? 48, je vais nous dire, bêche, tu lili 56. Il reste 8. Ah, y'a si, nous là, 8. Pardon, excusez-moi, il faut que je mette méga. Est-ce que là, comme tu fais mou, là, parce que, en a qui me mette fais mou, je m'en couche, je m'en. Voilà. Est-ce que c'est clair? Faites le calcul. 32 méga, plus 16, plus 8, il y a 56. Alors, non, c'est un contrôle E, il a été face à aller. Non, il a été face à aller. Allez, je vais supprimer. 0, 0, et 0. Alors, نروح la case à 32 mégas, elle est là, هايليك. ندير 1. نروح la case à 16 mégas, هايليك. ندير 1. نروح la case à 8 mégas, هايليك. ندير 1. Donc finalement, le 56 mégas, si je veux l'écrire en hexa, ça va me faire quoi? Ça va me faire 0011, c'est 3. Vous êtes d'accord? 1000, c'est 8. On va dire, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 0. Donc, j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 0. H, en hexa. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, je fais ouais, 38 ou 5-0. Nous allons le corriger. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 38 et... Alors, comment je fais? Alors, ce que je dois faire, je dois rajouter Hadik l'adresse. Je dois rajouter. L'adresse, le début, il est C800, Zidha, parce qu'on est incrémenté, on est Zid, l'adresse, Hadi, moins 1. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? Oui, madame. S'il vous plaît, vous éteignez vos couplets. On est d'accord, on est très d'accord. Ok, très bien. Ok. Alors, un kimmel. Donc, l'adresse de début, Zidla a la capacité, et ça va moins 1 parce que head, c'est une adresse. OK? Donc, on dit en hexadécimal, C8, C8 plus 3, 8, et on dit la somme, ça va me faire 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. 8 plus 8, c'est 16. 16, j'écris 0 et je retiens 1. Vous êtes d'accord? J'écris 0, je retiens 1. C, c'est A, B, C, c'est 12. 12. 12 qui zid là, 12, hein. 12 qui zid là, 3, شحال تولي لك? تولي لك 15. Qui zid là, 1, la retenue, تولي لك 16. Le 16, tu l'écris 10. OK? Donc voilà en hexa. Attendez, je vais écrire ici en hexa. Donc H, on a H. Là aussi, c'est H. Et là aussi, c'est H. Est-ce que là, coup de ferme ou là, là, là? OK. Donc. Allez, j'ai trouvé l'adresse, je 0, 6, 7, 0, moins 1. Quand je fais moins 1, ça va me donner que des F, 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 H. Est-ce que c'est clair? Donc, Madame, voilà s'il l'adresse de fin. Oui? est-ce que directement, vu qu'on a un bus d'adresse sur 28 bits, donc l'oulania, ça sera 7-0 en hexa, et la Oui, dernière. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tu as raison, tu as raison. Eh, je suis tout à fait d'accord avec toi. 256, tu vas l'écrire. Ou tu me dis 28 bits et tu vas mettre... Il n'y a pas de problème. Tu vas mettre 7F. OK, je vois ici, il y a 7F. Il n'y a pas de problème. OK, c'est correct. C'est encore mieux. Il y a moins de calculs. Mais comme si jamais vous avez un truc comme ça. OK, je vous apprends à calculer à partir d'une capacité, à partir d'un début, d'une adresse de début. Comment vous faites? Ça, on va l'utiliser dans l'exercice 7. C'est correct ce que tu viens de me dire. Hein? Votre camarade, elle me dit, du moment que je connais la taille du bus d'adresse qui est sur 28 bits, donc j'ai 256 mégas, 28 bits, donc je vais écrire que tous les bits, ça veut dire 7, en hexa. Si j'écris en hexa, ça me fait 7 symboles. Tous les symboles sont à F, 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 la valeur maximale. Oui, tu as raison. Très bien. Alors, la dernière question, donner les valeurs en hexadécimal. Le min et le max des nombres signés et non signés. Ayana les nombres signés. Qui peut me dire les nombres signés? Non signés, pardon. Non signés. Pour les nombres non signés, le minimum c'est combien? Quatre zéro Sur les valeurs non, des données 16 bits. OK. Les données c'est 16 bits. Donc, minimum, c'est quand tous les bits sont à zéro. Ça veut dire 2, 3, 4. OK? En hexadécimal, à l'alumine. 16 bits, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Donc, ça on nous est fait d'accord. combien? OK. Et ça nous fait combien en décimal? Qui peut me donner la valeur décimale? C'est zéro. Zéro, c'est zéro. Là, là, le min. Ou le max, c'est combien? C'est... Comme tu m'as dit, F, 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 F. Voilà le F. 1, 2, 3, 4, en H. Et ça me donne combien en décimale? Si je veux calculer cette valeur en décimale, je vous la donne. Hein. 535 dans la base 10. D'accord? C'est ça. Et je prends les nombres signés. OK? Alors, pardon, si je prends les nombres non signés, je vais bien lire à M. Riesch dans la base 10. C'est juste un petit rappel. On va dans le plus important.
Pour les Ou bien nombres une signés? formule directe pour calculer les valeurs. Oui, vas-y, c'est laquelle? Tu me la donnes, s'il te plaît. Si les nombres sont signés, c'est à partir de 0 jusqu'à 2 puissance 1 moins 1. C'est le complément Si... à 2. Ouais. Pour les nombres signés. Oui, et s'ils n'ont pas signé, c'est à partir de 2 puissance moins De 2 puissance puissance 1 1 moins 1. moins 1 jusqu'à 2 puissance 1 moins 1 moins 1. C'est le complément à 2 où le tchfeil l'a mis fait le CRI. Rappelle Oui, l'an dernier le CRI? exactement. Voilà. Donc, pour les nombres signés, le minimum, c'est combien? C'est 8. Allez-y, allez-y. 0, 0, 0, H. Premier bit, il est à 1. Vous vous rappelez? Et ça vous fait combien en décimale, Hada? On va le faire en décimale. C'est donc on va vous dire comment c'est très simple. Alors, la formule, comme tu l'as dit, on l'a vu l'an dernier. Alors, ça en décimale, attendez, on a fait comme barque le max. On a fait comme, après, je vous donne. Ça veut dire, le max, ça va être quoi? Le max, ça va être 7. Parce que le dernier bit, il est positif, le max. Donc, le dernier bit, il compte à 0, ça veut dire, tous les autres bits sont à 1. Donc, il y a le dernier bit à 0, tous les 0, 1, 1, 1, ça veut dire le 7. Et les autres bits sont à 1, 1, 1, Agda, H. OK? Ouhada est égal à combien en décimale? C'est 3000, non, 32 767. 32 767. 32 767. Plus. Bien sûr, avec la valeur plus. Ça, c'est en décimale. D'accord? Alors, comment vous allez trouver Hada? Tout simplement, c'est le moins, aide la valeur. De la valeur positive, je voulais rajouter un 1. D'accord? Vous lui rajoutez un 1 et ça va vous faire 32 768. OK? Donc voilà le max. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà le max et voilà le min. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, je l'ai donné en hexa et je l'ai donné en décimale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, pour passer à autre chose? Non, madame, C'est pardon, bon? j'ai Très pas bien, compris. très bien. Tu n'as pas compris? Dès le début, Qui fait hein. tu n'as pas? Qui fait que tu n'as pas compris? Monsieur Ayesh, il vous a fait ça. Comment tu n'as pas compris? Hadal min, tu parles du min. Ou là, Oui. pour les nombres signés, d'une manière générale. On appliquait la loi dans les deux cas. Tu as fait, tu as fait. Même en appliquant la loi. En appliquant la loi. 1, 2, je te donne un binaire. Hein. 3, 1, attendez, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La loi, tu as le complément à 2. Là, tu te rappelles du CR, module CRI. Donc, je vais en dire l'année 16, c'est bon. OK. Alors, Hadi, la valeur en binaire, on la connaît, en hexa, on la connaît, c'est très simple. Maintenant, on compte que je t'arrive en décimale, mais on ne peut pas en décimale. Le maximum en décimale. Le maximum en décimale, quand est-ce que je peux l'avoir? Le maximum en décimale, je peux l'avoir quand le bit de signe, il est à 0. Et tous les autres bits sont à 1. Tu es d'accord avec moi? Positif. Et que les nombres signés, ça va de négatif à tel positif. Donc, lorsque tous les bits, les autres bits sont à 1, et que le bit de signe, il est à 0. Ça veut dire, la valeur, elle est positive, alors que là, elle est négative. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, d'accord. Voilà. La valeur minimale, lorsque tous les autres bits sont à 0, et le bit de signe, il est 1, ça veut dire elle est négative. La valeur maximale, c'est lorsque le bit de signe, il est à 0 et tous les autres bits sont à 1. Hadi, facilement en décimale. Il suffit en hexa de faire ça. 7, hadi, c'est le 7, hadi, F, 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 F. Et je l'ai en hexa. Et s'il vous plaît, coupez-les tous les sens. Tous les microphones sont coupés. Faites attention. Donc, la conversion de l'hexadécimal, tu sais le faire. Ce nombre, il est positif. Quand tu es négatif, tu n'as qu'à prendre la valeur positive, il y a 32 767, il est plus 1. Qui dit il est plus 1, tu as 32 768 avec un signe moins. En fait, c'est l'astuce. Hadi, tu vas l'utiliser maintenant à la fin du monde. OK? C'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? On a su représenter les nombres
signé et non signé. Non signé, c'est Hlim. Signé, il faut regarder le bit de signe. La valeur minimale, c'est quoi le Madame, bit de signe? Oui. Madame, qu'on a capable de dire 8 fois 16 puissance 13. Tchorjna nafs el qim. شوف انا نعطيك لا فالور ها نعطيك لا فالور ونعطيها لك ليكيفالون بينير وانت دير دير واش حبيت اوكي tu fais ce que tu veux اوكي مدام اوكي l'essentiel c'est que tu arrives à de la combinaison en hexa ou la en binaire لازم تكون لك صحيحه داكور كل شوف شوف كل واحد عنده لا ميثود بروبر ا لوي داكور كل واحد عنده طريقه تاعو لي زاستوس تاعو utilise ce que tu veux comme astuce mais l'essentiel c'est que tu arrives au bon résultat مفهوم مفروغ من هذا سي بون وي مدام وي تري بيان جو في جوست افون دو باسي ا ليكزير است كو فولي كو جو فاس ليكزيرسيس 7 ولا جو باس ديريكتومون ا لا سويت هيا قولوا لي ولا ندير لو 8 ولا 9 علي ديت مو است كو لا نوسيون دو ميموار الي كلير سيل فو بلي است كو الي كلير وي الي كلير Est-ce que vous voulez qu'on fasse exercice 7 ou là on passe à autre chose? C'est à vous de décider. Hein? Sinon, si on ne le fait pas, vous pouvez nous envoyer la correction. Et dans les deux cas, bat comme la correction. Donc, quand tout le monde, je vais tout. On passe maintenant. On joue aller rapidement. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a un quart d'heure, madabia, il n'y a pas de problème. OK? Vous voulez qu'on le fasse? Ou là on passe à l'exercice, l'autre qui sont très importants? Ils ont dit 7, d'accord. Je vais juste demander, est-ce que l'étudiant de la section Arcade, il est là? S'il te plaît, l'étudiant de la section Arcade, est-ce qu'il est là? Allô, allô, est-ce que l'étudiant est là? Il n'est pas là. Je crois qu'il a eu le lien, le mauvais lien. Pas, attendez, je peux vous envoyer, je peux vous donner son adresse mail et vous lui envoyer le lien, s'il vous plaît. Et, attendez, comment qu'il s'appelle? Pourtant, je lui ai envoyé le truc. Vous voulez que je vous enchauffe? Je vais vous envoyer son lien, son adresse. Je vais vous envoyer sur son adresse. Madame, je suis là. Ah, tu es là. Ah, dar, ah, dar. Madame, je suis là. Non, pas à Cannes. Non, 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 نحوزها لا أكاد. كاين واحد أكاد. آه، نو، جو با أكاد. آه، نو، 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 جو بار دو أكاد. أي نهدر لا أكاد. إتيديو أكاد، جو فو لو فواغ. باسكو ما دوموندي، جو بو با لوي دير نو. ألوغ، شوف، إسكو تو، جو في دوموندي، جو في تو دوموندي أ توا، جو في تو دوموندي، واسمك نتايا؟ سلوي كي فيان دو مابلي. قاسي، أنيس قاسي. Anis Kassi, est-ce que tu m'entends? Non, madame, c'est pas moi. C'est pas moi, madame. C'est lui qui vient de parler. Malish, wahed fikoum fait baraka, malish. Non, moi, je suis dans cette section, madame. Et alors, même lui, l'autre, il m'a demandé une invitation, mais zroqe, zroqe, Omar, zroqe. Madame, c'est Filal Ziad. Filal, voilà, Filal Ziad. Attends, je vais voir le chat. Je vais t'envoyer le truc que tu as avec l'étudiant, s'il te plaît. Filalizia, attends. Ah. Sabr, Sabr Abdelrahman, tu es là? Sabr. Oui, madame. Sabr. Ça va, tu vas bien, Sabr? Oui, madame, ça, je suis Flizil. Ah, oh, non, je suis pas. Sabr, je fais Sabr, tu étais l'an dernier dans la section 7, oulala. Oui, madame, contre la section 7, mais... C'est bien le même sabre. Oui, madame, c'est le même. Ok, très bien. Parce que je fais le... Alors, Filalizia, je vais t'envoyer l'adresse avec l'étudiant. S'il te plaît, tu lui envoies l'invitation, s'il te plaît. Filalizia, je t'ai envoyé l'adresse. Mais madame, quel étudiant? Hein? Allez, bah, avec l'adresse, je vous fais le chat, c'est bon. Ok. D'accord. Le chat, tu vas trouver, s'il te plaît, parce qu'il m'a demandé, je crois qu'il a eu la mauvaise. Ok, alors, dis-nous l'exercice 7. Ou sinon, chronométrie, ouais. Dis-nous pas plus de d'un quart d'heure. Ok? Madame. Oui. Et pour l'exercice 2 du cours, on va le faire avec vous. Rapidement, rapidement. Dis-nous, mais je quelques questions. Oui, au moins le okay. début.
D'accord, merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Alors, l'exercice 7, voilà, il est très simple. On vous donne la représentation d'une mémoire centrale. Tu vois la mémoire centrale qui va se mettre là. Comme la RAM, dont la capacité, c'est 1 giga plus 200 mégas. Ou comme la ROM, 650 mégas. Ou comme un espace non utilisé. Alors, la mémoire, tu me donnes l'adresse 0000, 7FFFF7F. Vous avez 7F. OK? Qu'est-ce qu'il vous demande? Donnez la taille en octets de l'espace non utilisé. Alors, la taille en octets de l'espace non utilisé, comment vous allez faire? Alors, qui peut me dire comment on va faire? On doit trouver. Il faut d'abord trouver l'espace la total. Oui, voilà. Oui, moi. Comment vous allez trouver l'espace total? Il suffit plus 1, il te met هذه l'adresse, l'akhraniya zid laha 1. OK. Qui zid laha 1, chan tولي lek, tولي lek. 8000. Très bien. هذه c'est en hexadécimal. 80000 en hexa. هذه c'est l'espace total. On va d'abord dire تنقص لها 1 giga, تنقص لها 200, تنقص لها 650. Allez, nous allons chercher la solution. Peut-être que vous avez une idée. Voilà, chauffe. Voilà, je l'ai fait comme vous l'avez fait tous. L'espace total, c'est 7FFF plus 1. Donc, ça vous donne 8, 8 avec 0, avec 6, 4, 5, 7, 0. Donc, ça, c'est en hexa. OK? Donc, ça vous fait 2 puissance 31 octets. Qui a voulu le 8 fois 16? Qui chauffe aucune roche? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire fois 16 puissance 7. Peut-être que la fonction, l'écriture en polynôme, la fonction, la forme implicite, explicite, pardon. C'est-à-dire 8 fois 16 puissance 7. À 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez déjà décomposer le 16, c'est 2 puissance 4. Le 8 c'est 2 puissance 3, bah, du mat, les 2 puissance 31 octets. Ça veut dire? Madame. 2 fois 2 puissance 3. Oui. Donc, la capacité, c'est l'adresse du 2 giga. Oui, de la fin plus 1. Voilà. L'adresse de la fin plus 1. Parce que, ouais, parce que le 0, 0, 0, 0, 0, c'est une adresse. Les mdrliat, bien, et OK? Parce que, Hadi, c'est une ligne. لو كان تحس بغير هاد الخرانية تحس بغير ما راحش تجيك سوا سوا داكور بس هادي اون لين دونك لازم دخليها في الحساب اوكي تا كومبري ادرس الخرانية نزيد لها بلوس 1 باسكو لو 00 سي اون ادرس تمد لي لا كاباسيتي توتال دونك سي 2 جيجا الوغ دونك بور تروفي ليسباس نون يوتيليزي واش قلت لكم بلي ساسخا لا كاباسيتي توتال اللي هي 2 جيجا نقص لها 1 جيجا ونقص لها 200 ميجا ونقص لها 650 ميجا. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Capacité totale moins la capacité de la RAM plus sa capacité. Regardez, donc 2 giga moins 1 giga plus 200 méga plus 650 méga. Alors, 2 giga moins 1 giga, c'est là, tu me dis 1 giga. D'accord? Ou 650 plus 200, c'est 850. Qui va je vais dire? Ben, je ne peux pas dire cette l'hisab directement. Il faut au moins نكتب 1 giga, نكتبها بلي c'est 1024 méga باش نقدر ندير هذه l'opération. Parce que هكذا c'est impossible. لازم يكونوا la même si tu veux la même unité, وحده كيف كيف, la même unité mégaoctet باش نقدر ندير la soustraction. Donc 1024 méga moins 850 méga راح تمد لك حكموا la calculatrice, si vous ne me faites pas confiance, 0, ça va vous faire. Même à nous, mais je ne fais pas confiance. Exactement, c'est ça. 850 égale 174, voilà. 174 mégas. Donc, l'espace non utilisé, je fais où aller, hein, de la capacité 174 mégaoctets. On va dire la question suivante, où je trouve. Question suivante, on va donner les adresses A et B. C'est là. Les adresses A et B, je n'ai qu'à trouver la capacité de la RAM qui est 1 giga plus 200 mégas
نحسبها شحال نقول شحال فيها من لين سي فو فولي يا كومبيان دوكتي ici اوكي ici يا كومبيان دوكتي باش نصيب لادريس ا اوكي alors je vais écrire cette capacité en binaire allons-y on va l'écrire en binaire نروحو لا كالكولاتريس مانوال فكروها 1 giga plus 1 mega 1 giga plus شحال plus 200 ماشي plus 200 plus 200 mega يا سيدي 1 giga plus 200 mega هيا نروحو لهنا 1 giga وراه هاوليك داكور هاوليك 1 giga attendez le prime وراه لو giga 1 giga il est là le 1 giga هاوليك 1 giga plus 200 mega 200 mega ديجا شفناها من قبل 200 mega c'est 128 mega plus 64 mega plus 8 mega وراه 8 mega هذا ما كاش 0 8 mega هاوليك vous voyez donc 1 giga هاو 1 giga هاوليك 128 هاي 64 وهاوليك 8 donc باش نكتبها باش نكتبها en supprime باش نكتبها en hexa je vais juste écrire en hexa شحال عندي من 0 عندي 1 0 d'accord نكتب 0 juste نكتب هنايا باش ما ننساش 0 نزيد هذا لي 4 بيت الزروقة 0 لي 4 بيت كيس كو جو في بون معليش 0 0 شحال عندي عندي 1 2 3 4 5 5 زوارة دونك سا فان فيغ اوكي ونجي هنايا نو سا مارش با سي با بوركوا هذا ماشي لادريس اللي لقيناها من قبيلة بلوس ايه صبر صبر واش من لادريس اللي لقيتها من قبيلة نو سي امبوسيبل كومو تي فا فيغ ابي تحوس لادريس ا كيفاش راح دير لها دير لها بلوس 4 لا لا استنى استنى زروقي راك تهضر زروقي استنى وري قول لي ليدي تاعك دون موا تون ايدي دون موا تون ايدي يا خي سي لو ميم ادريس مدام لي قلنا قبيلا نزيدو لها 4 من اغوش واش من لادريس واش من لادريس الروقي تاع 200 ميجا ايه فوالا ايه ايه هذاك هي واش راني ندير انايا سي سكو جو في سي سكو جو في اون تران دو فير فهمت الروقي ولا ما فهمتش هذيك لادريس تاع مقبيله نزيدو لها 1 جيجا ها اللي عطاتها لي عطاتها لي اون اكزا تي فوا دونك كيفاش نكتبها اون اكزا نكتب 4 اش فاوا 4 سي 8 اي 0 اش فاوا عليها 4 سي 4 سي 8 اي 5 0 واقيلا 5 0 vous êtes d'accord est-ce que vous êtes d'accord Oui. Madame, pour les 200 mégas, on décompose. 200 mégas, classe, dernièrement. Oui, on décompose souvent par 8, 128 oui. et 64. C'est des puissances de 2. Sinon, tu ne pourras pas remplir ce tableau. On ne peut pas faire 32. Là, on peut. Il est qu'un index 32, déré 32. Il est qu'un index 64, déré. Non, mais 200 les 200, on peut avoir 32 plus. Non, 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 allez, je vais te compliquer la vie. Diriha, bdei, bdei, la puissance de 2, la plus proche de 200. Hente? Oui. La plus proche de 200. Il y a 128. Les morceaux, bah, dès que je fais, morceau 28, qu'il y a 64. Est-ce que qu'il dit 64, tu atteins le nombre ou là, tu n'atteins pas? Il est qu'un, il est qu'un, tu l'as dépassé. Ça veut dire que tu rajoutes moins de 64. Oui ou non? Oui, oui. Moins de 64. Il est qu'elle m'a dépassé, tu sais, bon, 64, il fait, ouais. Zidé, je fais, ou je t'en zidé. D'accord? Il faut toujours que ça soit une puissance de 2. Elle a qu'à te rentrer, hein. D'accord. Oui. Madame, laisse-moi juste le binaire. Oui, 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 laisse-moi le binaire, laisse-moi. Madame, qu'on a qu'adrin, division, des divisions successives sur 16. Pour que je n'ai qu'il y a. وعلاش راك تضيع وقتك ودير لي ديفيزيون سوكسيسيف باغ البينا راني حافظاتو البينا راني حافظاتو راني عطيتلك هاد لا هاد باردون هاد لا كالكولاتريس مانيوال وعلاش تكسر في راسك ودير دي ديفيزيون في ليكزامان ما عندكش الوقت قلتلك هادي سيت اون كالكولاتريس مانيوال لازم تولف روحك دير بيها دير 1 2 4 8 16 32 ومشي 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 وروح داكور ما تضيعش وقتك هكا دير لي ديفيزيون باغ 16 لو بيغ با طون طون اوكي تو داكور افيك مو Si tu n'es pas d'accord avec moi, dire qu'il m'a habité ou tu trouves le résultat le même. Ok?
Ok, tu es d'accord avec moi? Merci, madame. Donc, il n'y a pas de quoi. Donc, l'espace 1 giga plus 200 mégas, il te bloque 4C800000. Ok. Alors, je monte. Pourquoi je suis descendue? Là, je suis à l'exercice 8. Oui, le haqna. Ala barakatil. Alors, donc, on écrit cette capacité. Comme on écrit cette capacité en binaire. Allez, qu'on s'abnara. On a trouvé 4C800000. Bah, de quoi je me dire? Elle est la capacité, mais il a moins 1, parce que 000, c'est une adresse. D'accord? Ben, je ne sais pas l'adresse A. Si vous êtes moins 1, vous allez trouver 4C7FFFFF. Que vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent? Allez, 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 vite, 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 vite. Oui, madame. Très bien. Oui. Madame, j'ai une question à propos de la première, la capacité totale. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de bits d'adresse? Ben Ali, c'est Ben Ali qui parle. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi? Par exemple, l'adresse Loula, on a 8 nombres. On va dire qu'on a 4. On a 32. Et donc, la capacité totale, c'est 2 puissance 32. Là, ça a chauffé. هذه elle va t'induire en erreur. OK, le كان عندك هنايا اف 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 اف. Ça veut dire que le bit تاع 7, le dernier bit تاع 7 هو 0 en binaire. Ne tombe pas sur ce dans ce piège Ben Ali. D'accord. Regarde la dernière adresse. Ben Ali. D'accord. Regarde la dernière adresse, شوف les bits qui sont utilisés dans la dernière adresse. Ça, je suis d'accord. Avec ça, je suis d'accord. Mais tu fiches la première adresse. Parce que la première adresse, 00000, mais à farche avec le 0. Par contre, ici, le 0, au lieu d'avoir un F, tu vas avoir un 7. Tu es d'accord avec moi? Ben Ali. D'accord, c'est clair. Voilà, oui, ne tombe pas dans ce piège. Tu fiches la dernière adresse. Ou si tu fiches les bits qui sont utilisés. Ou trojek 2 puissance 31. OK? Oui, merci. Très bien. On continue. Maintenant, on demande à Ouna l'adresse B. C'est ça. L'adresse B. Alors, l'adresse B, pour arriver à l'adresse B, où je me dis? Avec l'espace, t'as la RAM, c'est d'où l'espace, t'as la ROM. Oui ou non? Qui a une idée? Oula, oula. Vous allez faire ici, où je me dis? Là, il y a l'adresse. Andy A plus 1, c'est-à-dire 4C8000. Là, il y a le début de la ROM. Le début de la ROM, ça va être 4C800000. Vous êtes d'accord avec moi? Zidlo, les 650 mégas. Moins 1. OK? D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà. Alors, vous avez le choix entre... J'ai converti le 650 mégas, je l'ai converti en... Nous, la calculatrice TAI. Ma fameuse calculatrice, 650, ça sera égal à quoi? Alors, 650 est égal à quoi? La puissance, là, 650 mégas, c'est ça? Méga. 612 plus 128 et plus 8 plus 9. Voilà. C'est comme ça qu'il faut raisonner. 512 plus 128, très bien. Plus 8 plus 2. Très bien, plus 8, plus 2. 2. Ok. Ayana, on fait 800. Anam? Kifesh madame, kif, qui m'a habité? T'habes dire la capacité? Ou j'habite de dire? Ou j'habite? Vas-y, tu m'expliques. Madame, on fait 1 giga plus 850, on n'a le 1. Kif. Moussa, l'hajj, Moussa. Il est quand tu démarres l'adresse 00. Des 1 giga plus 850 mégas. Vous voulez qu'on démarre l'adresse A plus 1, les yens, et dire 650 plus qui m'a habité. Moi, je t'ai donné les deux solutions. On parcourt la RAM, on banze de la RAM, de ta'naya. D'accord? Allez, je l'ai faite ici. 1 giga plus 850. Trois, je l'ai 1 giga plus 512 plus 256 plus 64 plus 16 plus 2. Ce qui donne en binaire 752000. Ok, tu es d'accord avec moi? Oui, madame. Comment est-ce que l'adresse B, où est-ce qu'il y a? Il y a l'espace qu'on a parcouru,
حتى la fin de la ronde, نقصوا له واحد على جال لادريس 0 كي هي اون ادريس سي تان اوكتي اوكي ولا لادريس ا زيد لها ا بلس 1 ولا لادريس ا زيد لها هاد لا كاباسيتي اوكي دونك شوف واش درت سي لا ميم شوز سي كوم فو فولي دونك جو فوزي دوني لي دو سوليوشن 650 قسمتها 512 كيما قال لي لو جون هوم 512 أثنان سيو نديروها هنايا ألوغ نسوبريمي زيرو قلنا 512 ميجا دونك نحط هنا أن أن واش قلت لي تاني راح لي هنايا 512 بلوس فازي 128 فوالا وكاينة في 128 64 8 بلوس 8 بلوس 2 64 نو بلوس 8 بلوس 2 أوكي okay. دونك سافا تو فير 1, 2, 3, 4, 5, 0, on va dire A, on va dire 8, on va dire 2. D'accord? Je vais l'écrire maintenant. 2, A, c'est quoi cette ralota? Attendez, je vais effacer tout ça. Alors, ça va te donner, excusez-moi. Alors, ça va te donner 2, A, non, 2-8 d'abord. 2-8, on va dire A, on va dire 5-0. Ok? Vous êtes d'accord? Aïe, on va le corriger. Aulik. Ah là, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le 650. Aulik, je l'ai trouvé. Aulik, on est subto. Non, on est râle, t'as là. Quoi qu'on est râle, parce qu'on donne un milieu. On est râle, t'as waqé là. Qu'est-ce qu'on a fait? 650 ou la 1 giga plus, c'est une chose, hein? 650. Ah, on a 1 giga. Non, on a fait 1 giga. On a fait ça, 850. Tu m'as donné 850, jeune homme. Non, madame, 650. Attends, t'as que 650, hein. Ah, mais là, on est râle, t'as. Ça se bat une chose, tu veux dire. 650. Ah, oui, c'est correct, c'est correct. Ah, tchallah, c'est deux. Des fois, quand je suis fatiguée. Ah, c'est correct. Vous savez, 2, 8, A, 5, 0. Vous enlevez sous les subto M. Voilà. On exact. Donc, Hadi, Mali, Yarel, Zidlaha. Zidlaha, Had l'adresse A plus 1. Oui ou non? Khat, Min, Hadi, Ma, Hadi. Vous voyez? 2, 8. Tchabo, Zidlaha, A plus 1 moins 1 ou Zidlaha carrément 1? Vous êtes d'accord avec moi ou non? Oui. Très bien. Donc, j'ai fait de deux manières. Soit la subgagère à l'espace, de la RA plus ROM, ou là, allez, je vous ai donné deux solutions. OK? C'est clair? Il n'y a pas de problème pour ça? Est-ce que c'est clair? La dernière, madame, s'il vous plaît. La dernière, quand tu as l'adresse B, tu n'as qu'à prendre l'adresse A. Vous dites là, l'espace, la capacité, les subgagères en exact. Avec la capacité de 650, c'est 28A000. Nous a l'adresse de fin de la RAM. Madame, est-ce que c'est A plus 1? Oui, les deux A plus 1, les indirim moins 1. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Donc, il faut faire moins 1. Donc, ça va te donner ça, 7, 5, 1, F. Alors, où je prends l'espace non utilisé, je vais vous dire, je vais vous dire, يبدا من البي بلس 1 البي بلس 1 واش هي هذه لادريس زيدوا لها 1 سافا فو دوني 7520000 ثم الاسباس اون يوتيليزي يبدا من 7500 جوسكا 7FFFFFF اسكو سي بون سي كلير سي فو بلي علي سبيد وي فيري غود اسكو فو افي دي كيسيون فو مافي دي نروحو ليكزيرسيس تاع الكور سي سا نهضر لكم على ليكزيرسيس تاع الكور باسكو راني حابه ندير ليكزيرسيس سويفون لو 8 نروح نهضر لكم غابيدمون ليكزيرسيس دو كور اي نو ريست اي لي 42 راني حابه شوفو 10 مينوت اسكو فوز افي دي كيسيون بور ليكزيرسيس تاع الكور تاع مسيو عياش اسمي نشوف وي مدام بوفي تورينا ا بو بري كيفاش نقدروا نخدموا ولا ميم تو سيتي لو شابيتر 1 ولا لو شابيتر 2 شابيتر 2 شابيتر 2 شابيتر 2 فوزاتور
تبابي في الشابتر 1 جاب لي ربي نو سي دوزيام شابتر نو اصبر جاب لي ربي في الشابتر 1 والله اعلم سي لو شابتر 1 ديرنيير باج مدام اكزاكتومون سي لو ديرني سلايد فوالا شو تقول لي شابتر 2 Voilà. L'exercice qui concerne les adresses, le deuxième chapitre. Celui-là. C'est celui-là. C'est pas cette application. Eh ben, la question m'a été posée pour cet exercice. Parce que l'exercice à chapitre 2, c'est elle. Vous travaillez comme on a fait. C'est la même chose. Ce qui est nouveau, c'est ça. Le premier exercice, il est facile. Il m'a donné le 7 et le 6. Ce qui est nouveau, c'est ça. Soit la représentation physique suivante du mémoire central de 1 giga. Des micro-ordinateurs. 1 giga, c'est 2 puissance 30. OK? Regardez. On vous dit la représentation suivante. Pour les représentations, Heidi, c'est la représentation physique. Le petit a, c'est la représentation physique. La représentation physique, la structure de la mémoire, elle est en octet. Elle est en octet. Vous voyez, de 0 à 7, c'est le hard. Ça commence de l'adresse 000, puisque c'est 1 giga. 1 giga, et ça se termine à 3FFFF. Quand tu quittes 1 giga, c'est 1 giga, 1 giga, ça va me faire 0, 0, 0 et 0. Alors, si vous écrivez 1 giga, ça vous fait 4 et 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4 ou 7 zoara. OK? 4 et 7, 0. 4 et 7, 0, ça veut dire l'adresse, ça va commencer de 0, 0, 0 jusqu'à 3, F, 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 F. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Droqué. Droqué. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Très bien. Oui, on est d'accord. OK. Donc, Hadi, c'est la représentation physique, hard. Les deux autres, A, B, C, D, les trois autres, c'est une représentation logique. Et la représentation logique, ça dépend de la donnée que vous allez utiliser, la taille de la donnée. Kima, par exemple, le B, il a utilisé une donnée sur 16 bits. Fait C, il a utilisé une donnée sur 32 bits. Fait D, il a utilisé une donnée sur 64 bits. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, Monsieur Ayesh? Il vous demande de déterminer l'adresse dans l'adresse de la deuxième instruction, la deuxième adresse, pardon, la troisième adresse et la dernière adresse. Femto. Dans les trois configurations logiques. Alors, si ma première adresse physique, hein, elle est de 00000, quelle sera l'adresse suivante? T'es à la deuxième adresse. Ce sera quoi? 0002. 0000. Exactement. 0002. Ou la troisième, ça sera 00000. 4. Très bien. Ou la dernière, ça sera 4. Aïe, alors, qui m'a dit la deuxième, troisième, dis-le, Adi. هيا 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 ضيعوش الوقت 4 اف 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 اش لا واش درت وعلاش 4 وعلاش تمنتيازك شوفوا ce dernier اوكتي لازم يكون هنايا يا اخي يكون هنا زي داكور افيك مو سي سي 1 اف 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 ماشي 1 لا لازم يكون هنايا شوفوا تري بيان فيري جود كي هادي سا زروقي او مدام جي با مو سي كيلكان دوت سي ماوش نو ماشي ابراهيم تري بيان ابراهيم شوفوا هادي راني ندير بالعيني بلا فلاش هذا لو ديرني اوكتي اللي دو افوار لادريس 3 avec 7 f 3 f f f f f 7 f يتسمى لي ما قبلو واش من لادغاس عنده سي تري سامبل سامونزا فوالا يتسمى تنحي موان زان
يتسمى 3F F F F 4F 7F بليتو تنقص موان زان كي تنقص موان زان واش تولي لك تولي لك 3 F F F F F F الاف كي نحيلو موان زان واش خرج لي واش يمد لي خابيه خابيه سا فو دير لادريس هنايا لا ديرنيير لو ديرنيير مو كي سور 16 بيت فا افوار لادريس 3FFFFFE. OK? C'est clair? Là, quand la taille de la donnée, elle est sur 16 bits. Si elle était sur 32 bits, c'est facile. Si c'était sur 32 bits, 32 bits, ça veut dire chaque octet. Chaque octet, 32 bits. 4. 4, très bien. Quelle est la deuxième adresse? Je vais écrire la deuxième adresse. 0004. Très bien. La troisième? 8. Très bien. Et la dernière? D. F, 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 F. F, 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 D. D. Non, 3, F, 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 D. Moins 8. Non. Pourquoi moins 8? Moins 1 de le moins. Tout à fait. هادي c'est-à-dire le dernier byte hein, le dernier byte a une blanche hein, la flèche le dernier byte a une adresse 3FFFFFFF 4 C qui te dirait un pas tu lis le deuxième byte moins donc moins un deuxième byte moins deux troisième byte moins trois le dernier byte lis l'adresse terre de colinéa c'est-à-dire où je demande de le moins trois. Tu es d'accord avec moi ou Lela? Non. Tchafa. Heda, le dernier octet. Qasmo, elle a 4 octets. Benali, tu éteins ton microphone. Qasmo, le mot en 4 octets. Tibou maïa mleh. 4 octets. Ktibou fi warqa ma'lish. 4 octets. Alors, le dernier octet de poids faible, si vous voulez, l'adresse théo, il y a 3FFS 4F wahdoukhrin. D'accord? Ndir marche arrière. Marche arrière. باش نصيب لادريس دو دوزيام بايت لي منا واش ندير هذيك لادريس 3 اف 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 موينز 1 vous êtes d'accord comme je l'ai fait ici moins 1 نزيد pour le suivant 3 اف 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 moins 2 et pour arriver à l'octet اللي راهو هنايا اللي راهو juste هنا لازم ندير 3 اف 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 moins 3 vous êtes d'accord ou pas ايه ولا لا Oui, madame. C'est ce que vous avez fait ici. Vous avez dit 0 le premier, on va dire 1 le deuxième, on va dire 2 le troisième, on va dire 3 le quatrième, on va dire l'adresse suivante, ça sera 4. C'est ce que vous avez raisonné ainsi. Et là, il y a des marches arrière. Nous devons le dernier, les 3 FFFFFF, nous devons un pas de 1. Pas de 1, c'est beau. Le deuxième byte. Le troisième byte et le quatrième byte. Ça veut dire, on fait trois pas marche arrière. Trois pas marche arrière, ça va vous donner F moins 3. F moins 3, ça veut dire 15 moins 3, donc 12. Et le 12, c'est combien? C'est C. Oui ou non? C'est pas C. C'est C. Femto, vous avez compris? Non, madame, non. Femto, indique la donnée, elle est sur 4 bytes. Oui, d'accord, 4 octets. Je sais que physiquement, le dernier octet, l'ira au minna, de poids faible, de poids faible, raho, il est à l'adresse 3FFFFF. Bach n'ilhaq au premier octet, l'ira au hnaya, qui va de l'adresse 16, hatta, 16, 20, 28, 28, 29, 30, 31. Mais le 28, hatta le 31, bach n'ilhaq les, lazem n'parcouru, mais l'adresse, الخرانية من البيت الخرانية الخراني نمشي ان با دو با تخوا با دونك جو في موان تخوا فهمت ولا ما فهمتش موان تخوا داكور صافي موان تخوا كي دير موان تخوا تخرج لك لادغاس هنايا سي 3 اف 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 الخراني سي سي فو ريزوني دو لا ميم مانيير شوفوا ريزوني بوغ هادو وبعتولي باش نشوف اسكو فو زافي كومبري مدام نعم كل اوكتي تحسب با وي كل اوكتي سي ان با بيان سور باسكو لي ستركتوري اون اوكتي كل اوكتي سي ان با موان زان سي تو فو
moins 1, moins 1, moins 1. OK. Dis-nous le dernier cas. Oui, ou bateau, les mais il a habité toujours la solution. Doka, madame. Là, mais chez Doka, non. Elle va te reposer. Alors, on va aller à l'exercice 8. Si vous n'avez pas de questions, si tout est clair, on va aller à l'exercice 8. Chauffe, on va être comme le corriger. Il est détaillé, il est bien détaillé. Le corriger, essayez de le faire et de faire l'exercice du cours que je trouve très intéressant. Hein. Je les ai vus hier, ils sont très intéressants. Écoutez, on ne peut pas faire que des exercices sur les mémoires. Il faut qu'on avance. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 8? Il est très simple. Chauffe, on dirait le 8 ou le 9. On va faire le 8 et le 9. Vous avez, là, soit le système suivant. Voilà votre microprocesseur. Il délivre trois signaux de sortie. Read, write, bar, memory, input, output, DEN. Hello, chef to home. C'est les broches du 80-86. Chef to home, de blair B. Hello, les trois broches, les trois signaux. Et il y a un module qu'on appelle archi. Il y a le module, ou chahidirouna, pour nous donner en sortie quatre signaux de sortie. Alors, le premier signal, memory or write, si je veux écrire la mémoire. Si je veux écrire la mémoire, c'est le signal, il va directement la mémoire pour écrire. Si je veux lire, il va le signal et la mémoire pour lire. Si je veux écrire le périph d'entrée-sortie, input-output, il va la broche directement. Et dès que je veux lire, ça va être la dernière broche. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils vous ont donné là comme memory input output. Il est qu'elle aide l'entrée, elle vaut 1, ça veut dire c'est memory, accès à mémoire. Il est qu'elle 0 parce que là c'est bar. Qui coûte head être comme bar, ça veut dire elle est valide avec le 0. D'accord? Donc, il est qu'elle aide à 0, c'est l'accès aux entrées sorties, c'est les périphes. Alors, read or write bar. Si 1, c'est read. Si 0, c'est write. DEN, c'est data enable. Ça veut dire que les données sont valides. Si DEN bar est égal à 0, ça veut dire que j'ai des données dans le bus de données. S'il vaut 1, ça veut dire, ça veut dire que les données qui sont dans le bus de données, ça peut être des données aléatoires, n'importe quoi. OK? Ça peut être n'importe quoi. C'est pas ce que je veux. OK? Très bien. Donc, on a ces signaux d'entrée dans le modus qu'on a appelé archi. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, à l'aide de portes logiques, OR et des inverseurs, concevoir le schéma logique du circuit appelé archi. Alors, on va raisonner, on va travailler ensemble. Bêche, waqtesh, tkoun andi, memory or write. Si je veux lire dans la mémoire, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut d'abord quoi? Si je veux lire dans la mémoire. Read or write bar est égal à combien? À 1. Pourquoi je veux lire? Excusez-moi. Oui. Je dis autrement. Je la flèche from right, on call comme read. Si je veux écrire, excusez-moi. Zéro, read or write. Barakallahu fik. Lazem read or write égale à zéro. Z. Memory input ou output. Chal lazem tkoun. Très bien. DEN, bar, chal lazem tkoun. Chal lazem tkoun. Un. Je connais pas les un. Tu veux lire de la mémoire. Ça veut dire tu ramènes de la mémoire. Job, c'est correct. Écrire, mon. Tu veux écrire la mémoire. Ça veut dire tu vas écrire les données. Les données, la hédiosophie de données. Oui, c'est ma zéro. Exactement, ça veut dire zéro. Donc, on a zéro, un, zéro. OK? Je fais zéro, un, zéro. Très bien. Si je veux lire, je fais une lecture, ça veut dire je ramène. Mais la mémoire, la donnée, on dit, par exemple, c'est une instruction que je vais exécuter. Alors, où je laisse mener? Read or write bar est égal à combien? Je veux lire. À 1. 1. Memory input output, je prends laisse. Ah, 0. 1, on sait.
1 aussi, très bien, 0, tu as 3. Très bien, c'est 0. C'est 1, pardon. Parce que 1, c'est pour accéder à la mémoire. Je veux accéder à la mémoire pour faire une lecture. Zid, je vais ramener la donnée. La donnée, elle va passer dans le bus de données. Donc, DEM bar, ça n'est pas de con. 0. 0. Très bien, très bien. Vous avez compris. Donc, quand je chauffe, je veux écrire le port de sortie, d'entrée-sortie. Je veux faire un write. Un write, input-output. Alors, وش لازم هنا يا ريدو رايت بار واش لازم تكون تيكالا كومبيان 0 très bien memory input output bar واش لازم تكون 0 عندنا اوكسي بار واش لازم تكون 0 دي ام بار اي شكون يقول لي دي ام بار 0 ولا 1 On va écrire. On va écrire. On va écrire. On doit utiliser le bus de données, donc c'est 0. Voilà, très bien. Zidou la dernière. Zidou la dernière. Input, output, read. On va faire une lecture, c'est-à-dire on ramène du port d'entrée, Djibou, Nkaraoua. Ça veut dire, Nkaraoua, on va faire un read. Read, write, baro, je suis saoui. 1. Memory, input, output, je suis saoui. 0. 0. DEM bar, je suis servi 0. Ça veut dire où Zero. Vous remarquez Le read ou write, on va les tibetlou. DEM bar, je suis lazé Toujours égal à 0. Ça veut dire que DEM bar, il est très utile. D'accord. Ayana, je chauffe la solution rapidement. Ce que vous m'avez dit, voilà. Chauffons. Memory ou write, qu'on a. On a fait de la ça. Tac. Pour que l'aide de la sortie soit active, active les amis qu'on égale à 0, hein. D'accord? Parce que là, il y a une barrière. Une variable, quand elle est barrée, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit égale à 0. D'accord? Elle est active, pas 0. Alors, memory write, active les amis qui m'a dit, read write bar égale à 0. Memory input output est égal à 1 parce que je dois accéder à la mémoire. DEM bar égale à 0. OK? Donc, memory write, read, lazim, read, write bar est égal à 1. Je fais un read. OK? Donc, si je fais un read, lazim tkoun li, égal à 1. Je fais pas un write. Donc, asnon de nihadi, égal à 1. Pardon. Oh, avec ces flèches, c'est très difficile de faire un corrigé. OK. Zido, memory input, output, vous m'avez dit, c'est 1. C'est correct. DEM bar, c'est 0. Pour que Heda, Memory, alright. Je vais écrire l'équation de memory, alright. Mais l'équation, les amis, que la valeur égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'elle est active avec le 0. Parce que bar, qui connaît déjà bar, les amis, qu'on active de 0. Donc, Heda, il est égal à 0, c'est bon. Donc, c'est pour tel qu'elle est. Heda, memory, input, output, il faut qu'elle soit égale à 1. Les amis, barrer pour que la somme me donne un 0. Et plus DEM bar. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils ont dit des portes OR et des inverseurs. Donc, je dois inverser. Je dois inverser juste le win pour la valeur 1. Mais je dois lire 0. Est-ce que c'est clair pour la première équation de memory write? S'il vous plaît. C'est clair? Oui. Très bien. Allez, nous allons memory read. Oui. Memory read, les amis inverser read write bar. Les amis inverser, hein. Parce que la valeur, c'est 1. Zid inverser memory. Input ou output bar, n'inverser, hein. Ou DEM bar, n'khali ha 0. Donc, vous voyez sur l'équation, et faites l'équation, c'est head et bar, plus head et bar, plus DEM bar. Ça ne change pas. Alors. Madame, je donc, mémoire. Je vais à mémoire. C'est bon. Ouais. C'est bon. Les amis, la valeur égale à 0. Femte. Oui, c'est bon. Merci. Qu'il s'est bien à sa barre, elle est qu'on axis de 0. Très bien. Nous avons l'input ou output, on a les combinaisons possibles. Donc, tout est à 0, je n'ai qu'à les sommer. Je vais avoir 0. Fait input ou output, read. Madame, je n'ai pas compris pourquoi on a fait les bas. Parce que la valeur égale à 0. La valeur de. De memory read, bar. D'accord. Et le DEN est toujours égal à 0. Oui, elle sait bouche qu'on a. C'est bouche qu'on a toujours. Tout à l'heure. Ah oui, parce que le DEM bar, il y a la donnée.
تحبي تكتبي ولا تقراي من لا ميموار ولا من البور دو سورتي دونتري il faut toujours que le bus de données il te ramène une donnée. Ça veut dire, d'après l'énoncé, Alex 0, ça veut dire donnée valide dans le bus de données. Ils ont tout la donnée. Ce qui nous va nous indiquer que la donnée, elle est disponible dans le bus de données, c'est bien le DEN bas. OK? Oui? Il y a quelqu'un qui... Madame, mais où est-ce que tu le rythme, madame? On a une la donnée, mais je ne sais pas. اه بصح كي تقراها تجيبها تجيبها باش تستعملها كي تقرا لا دوني مثلا تقرا تجيب من سي جو في ان موف موف ا اكس اون ادريس داكور موف ا اكس اون ادريس سا فو دير جو في رامني لا دوني من لا ميموار نديرها في الريجستر لاكيميلاتور ا اكس دونك راح نجيبها وي او نو سي داكور دونك جو دي جو لا راج دو لا رامني بور فير كيلكو شوز ماشي تروح تقراها غير باش تقراها صافي غايا فهمتني واسمك فهمتك دونك il faut que la donnée soit disponible et c'est qu'est-ce شكون يعلمنا بلي لا دوني اللي ديسپونيبل سي بيان لا بروش دي او ان بار تعلمنا بلي بيز دو دوني فيه ان دوني تري بيان دونك قلت لكم ننفرسيو وعلاش ننفرسيو باش تكون كاع لي فالور ايغال ا زيرو Parce que les signaux de sortie de mon module archi, ils sont actifs de zéro, ils sont de zéro. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé des portes or? Donc, les gars, la solte me dit zéro. Alors, la même chose ici, il y a gars à zéro, donc je dois les sommer. Il y a un derrière read write bar qui est à 1, je dois l'inverser, à oulik. Ou le chrome, gardez-en tel qu'ils sont. Donc, j'écris mon équation. Alors, ils ont dit des portes logiques or. Mais j'ai posé la question à M. Ayesh, il m'a pas encore répondu. Ils n'ont pas exigé le nombre d'entrées des portes. Ils n'ont pas dit des portes à deux madame, entrées. Madame, oui. Vous avez confondu, madame, le mail de questions que vous avez envoyé à moi. Oui. Le mail de la question, d'utiliser trois portes. Ah, c'est pour ça qu'il ne m'a pas répondu. Oui, madame. Excuse-moi. D'accord. Excuse-moi. C'est pour ça qu'il ne m'a pas répondu. Madame, j'ai vu ce matin, j'ai vérifié, j'ai vu que... Mais allez, je me bats le courant, on D'accord. Pas de problème, je vais lui envoyer tout de suite. Merci beaucoup, Sayouda. Je vous en prie. Donc, fait l'exercice, ils ne nous ont pas exigé le nombre d'entrées. La porte or, tu utilises des portes or, ils n'ont pas exigé le nombre d'entrées. Donc, tu peux utiliser deux entrées comme tu peux utiliser trois entrées. Alors, oui, je détenais la solution la plus facile que vous connaissez tous. Puisque les portes or à trois entrées, elles existent. Je vais vous donner les faits. Vous les faites. Tu fais ou les faites? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Dites-moi. Vous rappelez qu'on a utilisé des portes or à trois entrées? Vous rappelez? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Sauf s'il me dit, on exige. Hein. J'ai fait le circuit. Il est très simple, le circuit d'après l'équation. Haoulik, le circuit. Voilà, il est là, le circuit. J'utilise une porte or à trois entrées. Le problème est réglé. Vous voyez, un circuit très, très simple. Il répond à M. Ayesh, il dit non à deux entrées. À ce moment-là, je suis obligée de faire deux à deux. Vous avez compris. Et j'ai réalisé mon circuit. Chauffe, il dit, mais le processeur a donné des signaux. Il y a quatre sorties. Soit il y a la mémoire pour lire, ou là pour écrire. Ou là, le périph de sortie et d'entrée, soit pour write, pour écrire, ou là pour read, pour lire. OK? Donc, qui peut me dire, Edef Hemto, quel est l'intérêt, parce que c'est ça dans l'exercice. Dans l'exercice, je collègue, quel est l'intérêt du circuit archi qu'on vient de réaliser? Qui peut me dire? D'après vous? Séparer les signaux de oui. Entrer et sortir avec la mémoire. Oui, oui, très bien. Et ça permet de faire quoi au microprocesseur? Traduire les signaux.
d'alléger, très bien. Ça lui permet pour qu'il n'y ait pas de confusion, Naya. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, ça permet d'alléger la tâche du microprocesseur. A bien accédé la mémoire pour lire ou là pour écrire, il n'a qu'à envoyer juste un signal. Mais il va être gagné les trois signaux. C'est le but du module archi. Il permet d'alléger la tâche du microprocesseur. Au lieu il va être les trois signaux à la fois, la mémoire ou le périph d'entrée-sortie, il n'a qu'à envoyer un seul. S'il veut lire ou là s'il veut écrire la mémoire, les entrées-sorties s'il veut lire ou là s'il veut écrire. C'est clair? Donc, c'est pour alléger la tâche du microprocesseur. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Il nous reste encore 10 minutes, s'il vous plaît. Aya, qui peut me répondre à la dernière question? Est-ce que l'utilisation de DEL est-elle nécessaire? Est-ce que l'utilisation de DEL... Hein? Non. Non, non. Parce que, madame, pour tous les cas, on a DEN égal à zéro. Est-ce qu'elle est nécessaire? Oui, pour vérifier les erreurs. Oui, madame, oui. Bien sûr, les... Mais les données, maintenant, qu'on peut dire. Barakallahu fik. Elle est nécessaire. Parce que le microprocesseur, ou la même microprocesseur, ou là, les mémoires, ou le périph, la donnée, elle est là. Elle est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Soit il la ramène, et soit il la, soit il bat. OK? C'est très indispensable, c'est indispensable d'avoir la donnée DEL. D'accord? On va voir ce que j'ai mis, il faut le corriger. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, toutes les sorties, voilà, elles sont actives quand elles valent pour cela. Oui, voilà, on a expliqué, voilà, on utilise les portes or. Hein. On a expliqué, tu veux regarder le, corriger les traits détaillés, il n'y a pas de problème. Donc, lorsqu'on fait un transfert de données entre, oui. Alors, l'intérêt du circuit archi, il permet d'alléger l'écriture et la lecture de la mémoire et des périphes. Au lieu d'avoir les trois signaux à la fois, il suffit d'avoir un seul signal. C'est ce que je viens de dire. Pour accéder à la mémoire ou au périph en lecture et écriture. Je crois que le DEN, il est indispensable pour éviter tout conflit. Pour éviter les conflits entre microprocesseurs, périphes et mémoire. Je n'évite où les conflits. L'ESM DEN. Quand est-ce que DEN est égal à 1? Quitte qu'on utilise le registre. Un transfert entre deux registres, mais il n'y a pas. Ça va pas passer par le bus de données. Ça se passe dans l'unité de calcul, c'est le registre, le transfert, mais là, je suis le barra. OK? Donc là, j'ai pas besoin d'utiliser, je mets DEM bar égal à 1 et c'est réglé. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on va aller à l'exercice 9, on va remplir ce tableau. C'est très facile. Allez, 5 minutes pour le remplir. Ils vous disent, remplissez le tableau. L'instruction, c'est clair, vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît. Femme tout. S'il vous plaît, monsieur Ayesh, qu'est-ce qu'il vous a dit? Monsieur Ayesh vous a dit, il a donné, est disponible. Monsieur Ayesh m'a dit que quoi? Que quoi, monsieur Ayesh, il vous a dit quoi? Hamza, Mouaz. Mouaz, il est en ligne, monsieur Ayesh? Attends. Il reste 2 minutes, madame. OK, très bien, 2 minutes. Du coup, on a fait un décodeur. Attendez. Très bien. Allez-y, on va remplir ensemble ça. Move, registre. Alors, vous pouvez mettre des croix. Vous pouvez mettre des 1, vous pouvez mettre des 0. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il vous dit? L'exercice, il vous dit, pour chacune des instructions suivantes écrites en données, l'état des signaux. 0, 1 ou X pour indifférent. Quels qui sont positionnés par le processeur après le décodage de l'instruction correspondante. Une fois l'instruction décodée, ou chahidé le processeur. Allez-y. Si je fais un transfert de mémoire à mémoire. Oh là là. Si je fais un transfert... Monsieur, de mémoire à mémoire, de registre à registre. Allez-y. Allez-y, de registre à registre. X. Très bien. X, ailleurs. X, Z. Read or write. X. Voilà. Moi, je connais DEL, je viens de le dire. C'est combien? Très bien, très bien. Et là, je viens transfert, je vais lire. Je vais lire de la mémoire, d'Ibham, le registre. Donc, je vais faire une lecture. OK?
Donc la mémoire doit être égale à 1. La mémoire. Et je fais un read. Si je fais un read, ça veut dire un 1. Est-ce que DEH, très bien. Et là, je fais l'inverse. Le registre, dès la mémoire. Donc, je fais une écriture. Donc, la mémoire, c'est toujours 1. OK? Et là, je fais une écriture. Si je fais une écriture, très bien. DEH, zéro. Très bien. Mais le port, on a le port 1, le port 2. Là, je ramène du port 1, là, c'est source-destination, hein. Ça, vous le savez. Mais source-destination. Je vais à l'accumulateur AL, qui a 8 bits. Donc, mémoire ou la input-output? Zéro. Input-output. Très bien. Je ramène, je fais une lecture ou là une écriture? Lecture. Une lecture. Donc, read. 1. DEM bar. Halazm lo. Zéro. Très bien. Zilou la dernière et on s'arrête. Hana ya wach lazm. Toujours zéro. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, moi. Hana, au lieu de faire une read, je fais un write. Zéro. Hana ya? Zéro. Très bien. Et voilà, on a rempli le tableau et on a fait l'exercice. Madame, c'est quoi le port? Madame, s'il vous plaît. Le port d'entrée et de sortie, ça peut être un clavier, ça peut être tout ce que tu veux. Madame. Oui. C'est les entrées sorties. La toute première case, c'est un move rec 1, registre 2. Alors, je donne un input output. Mais la valeur Litcoin. Voilà, parce que marche stable en ado. Quelle que soit la valeur, je vais faire un transfert, le registre 2 et le registre 1. C'est un transfert entre deux registres. Mais je ne vais pas accéder à la mémoire, je ne vais pas accéder aux entrées. Qu'elles soient, leur valeur, elle est indifférente. Mais parce que je ne vais pas les utiliser en quelque sorte. Quelle que soit leur valeur, d'accord. Moi je vais faire un transfert. Mais le registre. Même le mot de read, de write, mais m'nish. Parce que je ramène le contenu du registre 2, je bouffe le registre 1. Ou hnaïa, vous vous rappelez, hnaïa. Moi je dis comme lorsqu'on fait un transfert de données entre deux registres, DEM bar égale à 1. Donc, c'est le cas ici. DEM bar égale à 1 et c'est bon. Ok? C'est clair? Oui, merci beaucoup. Oui, je vous remercie. J'ai terminé, je suis contente. Je vous envoie le corrigé, d'accord? Et l'exercice 10, je vous envoie le corrigé. Et si vous avez des questions, c'est la FIFO. La FIFO, je pense qu'il l'a faite en cours, monsieur Ayesh.